Bonjour, avec vous maîtresse Raoula de la chaîne. Explique-moi encore maîtresse. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'un champ lexical. Prenons les mots suivants. On a brasse, longueur, maillot, nager et mouiller. Vous aurez peut-être remarqué que le thème commun de tous ces mots, c'est, oui, tout simplement, il s'agit de la natation. Voilà. C'est un thème commun, si vous voulez. Il s'agit bien de la natation. En effet, le champ lexical d'un mot, c'est l'ensemble des mots qui désignent la même idée ou le même thème. Prenons maintenant la notion du mot lumière. Dans son champ lexical, on peut trouver brillant, lumineux, éclairé, scintillé, bougie, soleil. Bien sûr, il y en a d'autres, j'en ai pris que quelques-uns. Comme vous pouvez le voir, dans ce champ lexical de la lumière, on peut trouver des adjectifs comme brillant, lumineux, des verbes comme éclairé, scintillé, ou bien des noms comme bougie et soleil. Donc, dans un champ lexical, les mots peuvent avoir des natures grammaticales différentes. Maintenant, vous vous demandez sûrement à quoi sert le champ lexical. Bien, il permet de donner une ambiance, une idée commune à ton texte. Ton texte va avoir un style commun quand tu vas l'écrire et au contraire, quand tu vas le lire, cela va te permettre de trouver le champ lexical du texte pour mieux le comprendre. Donc, en conclusion, on peut dire que le champ lexical ou bien le champ thématique rassemble tous les mots qui gravitent autour d'un thème. Il comprend des mots de nature grammaticale différente, comme on a vu dans l'exemple. On peut avoir des verbes, des noms, des adjectifs, etc. Le champ lexical, par exemple, de la ferme inclut des hommes, genre le fermier, des bâtiments comme le grange, des animaux comme la vache, des outils de travail comme le tracteur, des cultures comme le blé, des activités comme le verbe semer, etc. Voilà, c'était notre vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de, si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Partagez avec les gens intéressés. Abonnez-vous pour recevoir toutes nouvelles leçons et à la prochaine.